Bonjour, chers frères et sœurs d'Abidjan, chers frères et sœurs d'Abobo et de la Côte d'Ivoire, bien sûr. Je viens ici, à travers cette vidéo, vous annoncer que le concert d'Abobo, qui était prévu le 2 janvier à Abobo, sur le boulevard où il y a le deuxième arrêt, a été annulé par les autorités de la mairie. À 2 jours du concert, à 48 heures, on nous annonce que il faut qu'on change de site. Que le site qu'on avait choisi ensemble, avec eux-mêmes, que ce site-là ne peut pas accueillir ce concert. Alors que c'est le quatrième site. À chaque fois qu'on trouve un site, il y a une raison qu'on nous donne. Bon, nous on suit parce que ce sont les autorités. Mais à 48 heures, changer le site d'un concert, après avoir communiqué pendant un mois et demi, nous on a trouvé que ce n'est pas professionnel. On a trouvé que c'est impossible. Donc le concert a été annulé parce que simplement les autorités nous ont demandé de choisir un autre site à 48 heures du concert. On ne sait pas les raisons réelles, mais ce site a été choisi d'un commun accord avec les autorités de la mairie. Donc voilà. On pensait que jusqu'à ce matin, on allait trouver une solution, mais malheureusement, ils sont restés sur leur décision. Ils ont décidé que le concert ne peut pas se faire là et qu'il fallait qu'on choisisse un autre site. Et ils ne nous ont pas montré un autre site. Donc, je viens ici pour m'excuser auprès des Abobolais qui attendaient ce concert, auprès des Abidjanais qui attendaient ce concert, auprès de ceux qui s'apprêtaient à quitter l'intérieur du pays pour venir suivre ce concert parce que ça allait être un concert géant. Bonne année à tous et j'aurais préféré vous le dire sur scène, mais malheureusement, l'artiste propose et la commune d'Abobo, sinon les autorités d'Abobo disposent. Donc ils ont décidé que le concert est annulé, c'est annulé. Yes, sir. Rastafari.